Yo, what's up les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Battle PvP, ladies and gentlemen. Eh bien oui, alors on va commencer l'épisode avec un petit cadeau de la part de... Il a disparu, il est là. C'est quoi son pseudo? Dark Knight One. So il nous donne quoi? Ah, oups, là, j'ai jeté ça. Chardonnay ça, on s'en fout. Ça, je vais regarder. Ok. Oh, il nous donne de l'obsidienne, des œufs de creeper, un arc. Il nous donne plein de trucs en fait, hein. Intéressant, intéressant. Ça c'était mes potions d'huile d'avant, je crois. Ça mes forces, c'est marqué. Cadeau de Dark Knight. Oh, gros merci à toi. Après, une pomme de son, on la prend. On prend de la potion de poison, ça peut être vraiment fils d'épée d'utiliser en PvP. Même chose pour ça, les slowness. Les damage. Et puis là, les bouteilles d'XP, les bouteilles d'XP. Bon, bah nickel, mon pote. Un gros merci à toi. Ça fait super, super plaisir. Comme ça, voilà. Comme ça, comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça, c'est la reste des coffres que je vous avais montré la dernière fois. Donc voilà, on va commencer l'épisode comme ça. Aurélie m'a TP où ce qu'il y avait les coffres, les amis. En gros. Ici. Je sais pas, je pense que je l'avais déjà montré, je sais pas. Enfin bon, si je l'ai pas déjà montré. Ici, c'est pour l'instant, c'est le stockage. Ensuite, on récolte de l'obsidienne en ce moment. Pour pouvoir créer une base. Comme vous voyez, on est déjà rendu à pas mal d'obsidienne. Alors, on va continuer à améliorer. Le coffre à obsidienne pour avoir plus d'obsidienne. Pour le moment ici c'est juste du stockage. On stocke tout ce qu'on a. Vite fait comme ça avec, avec les gars de la fac. Et puis voilà. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et ça dans mon under chest. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'ai trois trucs comme ça. J'ai de la bedrock. La bedrock je vais aller la vendre. Parce que personnellement les amis, je pense pas. Moi personnellement ça me sert à rien. Les éponges j'en garde une au cas en pillage. TNT pour faire exploser tout en mode YOLO. Ça j'en ai pas vraiment besoin. Hop là. C'est pas ce que je voulais mais bon. Pas grave. L'épée 3. On en a déjà plein. J'ai mal à la bouche man. Je sais pas ce que j'ai à la bouche. Ça peut peut-être s'entendre. Sur le bord. Je suis désolé les gars sincèrement si vous l'entendez. J'ai vraiment vraiment mal à la bouche. Je sais pas que c'est ce que j'ai. J'ai peut-être trop léché de clito, je m'excuse les amis. Cœur cœur la blague pourrie. Je rigole pour ceux qui n'ont pas compris, je voulais dire manger des crèmes glacées bien entendu. Vous l'avez compris. Et puis voilà, diam pas vraiment besoin. Les fireballs, on va les garder parce que c'est quand même des fireballs assez spéciales, c'est des trucs Halloween. C'est assez rare à avoir. Comme ça, trois petites... ouais comme ça, on va aller juste aller vendre la bedrock dans le fond. Et puis on va y aller. Continue tes vidéos, je t'adore. Message over. Merci. Je t'adore aussi. Message, je te donne un don car je peux pas te donner au spawn. Baga. Ok. On va voir s'il va nous tuer. Parce que c'est au pire s'il nous tue, il gagne 12 bedrock. So. Voilà. Ah, je me suis pété la gueule en fait. Hein. Aïe aïe. Je me suis tué la gueule, esti. Ouais, je me suis pété la gueule, les gars. J'ai la babine de tout péter en tout cas. Ah, oh, ça fait mal. Bref. Ah, il nous a TP, enfin. Voilà. J'allais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge, mais bon. L'histoire du chaperon rouge, mes copains, mes confrères. C'était une fois, jeune mari voulant aller voir le berger. Oh, des pots de shit. Oh, oh. Ok, il me tape le bâtard. Il me tape le bâtard, t'es sûr? J'ai pas que ça, attends. Alors, ça, alors, attends. Est-ce que j'ai compris? Faut que j'attende. Là t'imagines quelqu'un arrive, il nous tue, est-ce qu'il part avec le butin? Oh ce serait trop pédé de faire ça. Oh ce serait vraiment pédé, par exemple je le ferais bien moi. Ce serait mon genre de truc à faire. Juste vu qu'on est dans la warzone, je vais quand même juste me mettre là pour l'instant les amis, vous l'avez compris. Ok. Moi je dis que ça c'était pas du cheat hein, bien sûr les amis. Comme on a pu l'examiner, le gars il a pas utilisé de cheat du tout. En fait ce qu'il a utilisé les amis c'est ce qu'on appelle boss d'éclair. En gros c'est que tu mets un boss d'éclair dans ton cul puis pouh tu voles comme un esti d'attardé mental. Enfin qu'est-ce que j'ai pu comprendre c'est ce que le gars il a fait. Et voilà c'est en plein ce que le gars a fait, on se retrouve. Yo on se retrouve. Fait que ben oui voilà comme bien entendu j'ai fait mon mot de passe qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien entendu si vous voulez vous connecter sur mon compte vous pouvez, je rigole, ben non, vous pensez vraiment que c'est ça. On va TPS celui-là.
Ah, c'est quand même triste, hein. Alexis quelque chose, c'était ça son pseudo. I got all the J's, what up? Le pire c'est qu'on l'a vu fly, s'il te plaît. Tu sais, c'est ça le pire, on l'a vu arriver en boss d'éclair, tu sais. It's a boss d'éclair, mais plus loin encore. Ah, j'imagine que l'autre s'est fait tuer aussi, bah c'est ça. Celui a dû se faire tuer en y retournant, il s'est fait tuer, j'ai l'impression. Ok, TPA XXMC. On va aller voir un spawner. Est-ce qu'il y a un spawner? Ça peut être intéressant, sachant que j'ai plus de spawner, moi. On va aller voir ça, les copains. Petit épisode détente aujourd'hui. J'avais pas vraiment envie de faire grand-chose. J'avais envie d'écouter du E-Double avant, mais bon. Comment dire que... T'es empoisonné, mon pote? Ok, on ferme le kit. Ah ouais, clairement, toi. C'est pas un bon spawner. Faut un zombie ou squeletton. Je pense qu'on écrit comme ça. Fait bon. Pas grave, je te donne une pump cheat quand même, on va avoir essayé. Voilà. On va essayer. On va retourner au Omka. Actuellement, on va aller au spawn. Ce que je voulais faire, c'était mettre ma bedrock en vente. Fait que c'est ce que je vais faire. Hein. Oh là là, il commence de plus en plus à avoir de joueurs, les amis, comme vous pouvez voir. Je suis content qu'au moins il y a des joueurs qui sont ramenés. Ça fait plaisir, mes copines et mes copains. Okay, on va faire ça comme ça. Comme ça. Et ouais, voilà. Le shop, c'est l'autre côté. Non. C'est de ce côté-là. Enfin bon, je me suis compris, c'est là. Bref. Faudrait peut-être qu'il enlève le spawn hiver aussi un jour, parce que c'est comme un petit peu plus Noël. Là. Ça serait bien d'y penser un moment donné. Voilà. On va placer la bedrock en vente, les amis. So, on va mettre 450 la bedrock. 400, on va mettre 400, tiens. Je suis gentil aujourd'hui. 400 la bedrock. Je vais aller voir le nombre d'argent que j'ai. Avec le nombre d'argent que j'ai, je pense, les copains, qu'on va être capable d'acheter des... d'obsidienne en fait. Et avec l'obsidienne, qu'est-ce que ça va être capable de faire? Oh, ça va nous permettre de faire. Ça va nous permettre de pouvoir acheter, ben, créer notre base dans le fond. Sur avoir toute la bedrock, etc. Ça va avoir permis de m'acheter plus d'obsidienne, j'ai l'impression. Attendez, on va voir. Tac, tac. 400. Voilà. Voilà. 400. Voilà. Et voilà. T'inquiétez-vous pas les amis, bientôt fini. Après je vais visiter vite fait les pages, voir qu'est-ce qu'on peut acheter à des prix réduits. Et puis les revendre un petit peu plus cher. Ça, on va aller voir ça. Hop là, je lui ai fait une connerie. Voilà. 400. J'ai vu que l'épisode où je vous avais montré comment faire du shopping, ça vous a vraiment attiré. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant, les systèmes d'échange, de marché, etc. Mais bon, ça c'est un peu cher quand même, 1600 pour des Ender Pearl. 500 pour 64 Netherrack. C'est quand même un peu cher, mon pote, hein. J'allais l'acheter, tu sais. Ça, le fond, c'est pas cher. Genre, regardez mes flèches à une pièce, elles sont même pas faites acheter. J'ai acheté les gars les trucs pour faire plaisir aux gars, vous l'avez compris. Bien entendu. Ouais, même chose pour ça. J'ai acheté ça. Ici, c'est quoi les éponges? iPeak, non. Ça, c'est mes bedrock. Ok. Ah oh, ben ça, c'est à moi. Aussi ça c'est pas à moi et voilà. Ok, ça, on va prendre les trucs qu'on a acheté. Ça c'est ce que j'ai acheté, n'est-ce pas? Ouais, voilà. So, j'ai acheté une pomme cheat pour lui donner de l'argent.
Si tu peux me mettre modo de la fac, s'il te plaît, j'aimerais t'aider à faire des trucs. Ouais, les bons potes, je vais pas te mettre modo. J'étais déjà super chanceux que je t'ai recruté, so je vais pas te mettre modo, tu peux comprendre. J'espère, du moins que tu comprends. Voilà, voilà, voilà. Et puis ça, on va les donner. On va les mettre au coffre à la maison. On peut des flèches, on en manque jamais, les amis. C'est ça qui est bien avec les flèches. On en manque jamais, jamais, jamais. Soit en gros, les amis, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? C'est pas vraiment grand-chose, à part vraiment vous inviter à rejoindre le serveur. Dans le prochain épisode, je vais essayer de vous montrer quand je vais créer la base. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de faire d'aller des coordonnées assez loin. Pour l'instant, on n'est pas super, super loin. Mais dans le prochain épisode, ouais, je risque de faire, voyons voir, peut-être... 5-6 000 blocs de plus à partir d'ici, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Malgré qu'on a le slash MC, ça peut vachement nous aider. Et puis voilà. La base que j'ai décidé de faire, les amis, ça va vraiment être une base simple. Vous allez voir, ça va être vraiment une base tout con, tout con, mais qui va être quand même assez compliqué à piller. Ça va être une base avec obsidienne, un cube d'obsi avec des coffres avec de l'eau ou des enchantements. Comme ça, c'est vraiment... Tu peux rentrer, mais les coffres sont impillables à l'intérieur, c'est quand même... Intéressant de voir ça. Aussi, il y a Aurélie qui est modératrice maintenant. J'ai peut-être déjà dit dernièrement, mais elle joue un petit peu moins. Elle s'occupe plus de genre des cheaters, etc. Mais en gros, ouais, il y a... Dans la faction, ceux qui jouent, il y a moi... attends, what the fuck? F, Demote et Odam. De toute façon, je crois que... Alors, je sais même plus c'est quoi, c'est pas grave. De toute façon, ils jouent pas, ça dérange pas. Mais en gros, ouais, il y a juste moi et elle qui s'occupe de la faction. So, si vous voulez vous faire recruter, vous demandez à elle en personne. Et puis si elle vous trouve sympa, elle va vous recruter. Sinon, non. Sinon, voilà les amis, c'est quoi que je peux vous dire d'autre? Ben, j'espère sincèrement que vous allez bien, j'espère sincèrement que vous allez super bien. Si vous avez des idées de quoi faire dans la série, les amis, dites-le moi dans les commentaires. Genre, exemple, vous voulez que je vous montre comment on fait... je vous donne un exemple tout con, là. Comment on fait un arbre, ben, vous me le dites. Puis, je vais vous montrer ça. Vous comprenez ce que je veux dire, un peu, vite fait? Je pense que vous avez compris. Sur ce, c'est Tycoon, le Pikachu de l'Internet. Désolé pour l'épisode un peu plus court aujourd'hui. C'est pas grave, je vous aime tous. On se retrouve demain pour un autre épisode de PvP Faction. Ciao!